Confronté à des situations de crise, l'humain lève les yeux, se tourne vers les cimes et parfois s'exile en altitude. Fuir la peste, fuir la guerre, fuir l'ennui, fuir la chaleur. Prendre de la hauteur et se réfugier là-haut. Aujourd'hui, face aux multiples crises humaines, environnementales, la montagne peut apparaître une nouvelle fois comme un lieu à l'écart des turbulences du monde, porteur d'un imaginaire de continuité et de rassurance, un espace refuge, un espace témoin de notre relation au monde. Le lien de l'urbain à la montagne, il est toujours extrêmement fort parce que la montagne a toujours été depuis les conquêtes même du 19e et les grandes conquêtes pyrénéennes ou alpines, a toujours été un lieu de projection. Un lieu de projection d'imaginaire, un lieu de rapport à l'immensité, un lieu d'expérience de la solidarité et de la confiance dans les autres membres de la cordée, un lieu de réflexion intérieure aussi. Donc il y a en permanence un lien entre l'urbain et la montagne, hein, et depuis déjà très longtemps. La montagne ne dit rien d'elle-même, la ville ne dit rien d'elle-même. Et c'est même évident parce qu'à partir du moment où on dit montagne, on parle d'une catégorie d'objets géographiques ou d'entités géographiques qui ne se désignent pas eux-mêmes. Donc quand on désigne quelque chose comme étant une montagne ou quand on désigne quelque chose comme étant une ville, c'est d'abord et avant tout un acte de langage. Et c'est donc d'abord et avant tout un acte, une opération symbolique qu'on fait dans une société qui parle la même langue. Donc la montagne ne dit rien d'elle-même, la ville ne dit rien d'elle-même. Il ne peut pas y avoir un imaginaire de la montagne ou un imaginaire de la ville qui serait complètement déconnecté de ceux qui produisent cet imaginaire, qui le remplissent de significations, de symboles et qui l'opérationnalisent dans leur pratique. Ville, montagne. Depuis le XVIIIe siècle, les relations ville-montagne sont vécues sur le mode de l'opposition. L'opposition nature-culture de la pensée moderne se concrétise, se détermine dans la dualité ville d'une part, montagne de l'autre. La montagne offre une alternative à une représentation de la ville devenue hostile. Pollution, vitesse, agressivité. La représentation de la montagne envoie alors un signal négatif de notre urbanité. Et pourtant, la montagne est un milieu hostile dans ses étages élevés. On ne s'y trouve plus dans l'écoumène, cette partie du globe dans laquelle la vie humaine est possible. Dans une société de l'hyperconnecté, la montagne est l'un des derniers îlots hors connexion, permettant ainsi de retrouver un temps à soi. Rêve des pratiquants de montagne. Ce serait pour faire quoi le lendemain ? Pour faire la partie de la neige. Ok, laquelle de voie vous savez ? La troisième dent ou la Pierre Alain, enfin, la Pierre Alain, je pense. Ouais, mais c'est la terre. Ok, de toute façon, c'est en condition, il n'y a pas de souci. Bonne soirée. Dans cette vision archétypale, le refuge représente la condition nécessaire à la connaissance et à la conquête de la montagne. Il apporte ce pourquoi on a créé des regroupements humains, les villes ou les villages. Sécurité, solidarité, subsistance. Il renvoie en quelque sorte à l'image de l'île, d'un satellite de la ville, en tant que cette dernière représente l'urbanité et la civilité. Le refuge apporte à la montagne son habitabilité. Il offre ainsi des valeurs identiques à celles de la ville, créées pour offrir solidarité, sécurité et défense collective face aux ennemis, humains ou non humains. Les gens sont vraiment sympas ici, c'est facile de vivre avec eux, enfin, il n'y a pas de prise de tête. Et le contact est facile, il n'y a pas de distance comme il peut y avoir en ville, je pense, ou dans des hôtels, ou dans des gîtes, ou des hébergements plus classiques. Donc ça c'est bien, la discussion est facile. Et puis le cadre de vie, puis c'est un peu dur, hein, c'est un peu un défi aussi de vivre ici, puis d'accueillir autant de gens dans un petit espace avec des contraintes de vie un peu difficiles. Bon, mai, ouais, je suis partie le 10 mai, il y avait plus de neige que quand je suis arrivée au mois de mars. Ah ouais. Je pense qu'on n'est pas si isolé que ça peut paraître de l'extérieur, parce qu'on rencontre vraiment du monde un peu tout le temps, j'ai du monde tous les jours.
du matin au soir, à part quand il fait vraiment mauvais, mais même quand il fait mauvais, il y a soit du monde le soir, soit du monde le matin. Donc voilà, mais sinon, je pense que l'été, l'isolement, il n'est pas important, il est même moins important que certaines personnes en ville, parce que là, ça fait une maison qu'on partage tous ensemble, c'est un peu une sorte de grosse coloc. Hein. Bon, après, les colocataires, ils changent tous les jours, mais ouais, donc on discute avec les gens, je mange des fois avec eux le matin ou le soir, on prend le goûter, on discute. Je pense pas qu'on soit si isolé que ça. Enfin, on est isolé par rapport au fait qu'on puisse pas aller faire les courses, aller au cinéma le soir, mais sinon, si on veut discuter avec des gens, ça suffit, si. C'est tout ce qu'il faut. Le refuge de montagne caractérise en partie un des paradoxes de la relation entre ville et montagne. La montagne n'est accessible à l'homme que grâce à des lieux d'urbanité que celui-ci va y essaimer. Les pratiquants de la montagne évoquent une recherche d'éloignement de la ville, un ressourcement dans ce qui serait une nature, mais continuent à dépendre de ce morceau de culture, de civilisation, dont le refuge est l'expression. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'en fin de compte, étonnamment, on vit en contact avec les hommes, les humains, on vit en contact avec les humains, mais dans un autre monde. Pourquoi dans un autre monde? Parce qu'en fin de compte, quand on est là-haut, tous les repères sont différents d'en bas, que ça soit sur le temps, sur l'espace. C'est-à-dire, par exemple, là-haut, on s'en fout qu'on soit samedi, dimanche, le jour, la nuit, la semaine, quand on vit là-haut. Quand on est là-haut, on vit avec les éléments. Les points de repère principaux, c'est ni le calendrier, ni l'actualité, ni quoi que ce soit, c'est le vent, la météo, les avalanches, les éléments, dans tout leur sens, quoi, par leur beauté, leur force, et parfois, comment ils bousculent, quoi. Et en fin de compte, là-haut, on s'aperçoit que les... Enfin, je me suis aperçu, même avec un peu de recul, que nos sens humains, les cinq sens, là-haut, ils sont sans arrêt aiguisés, ils sont sans arrêt à l'affût. On se sent là-haut tout petit, mais véritablement tout petit, au milieu d'éléments qui sont puissants, grandioses, spectaculaires et fragiles. Et moi, ça renvoie à des choses, pour moi, fondamentales, au-delà de mon expérience personnelle, et qui, moi, je pense, manque cruellement dans la société d'aujourd'hui, c'est de savoir qui nous sommes, où nous sommes. Je ne vais pas théoriser là-dessus, hein, mais je me demande pourquoi, depuis un siècle, deux siècles, trois siècles, l'homme se sent supérieur, comme extraterrestre, comme au-dessus du vivant, que ce soit tout le vivant. Là-haut, en montagne, on ne se sent pas au-dessus du vivant. Hein. Putain, on se la pète pas, quoi. Hein. On ne la raconte pas, ni même la technologie, rien du tout. Hein. Nous sommes ce que nous sommes, des petits bonhommes sur la planète. Et on est vraiment tout petits. Et en même temps, voilà, on sait qu'on peut avoir un impact, on sait qu'on peut avoir une interaction avec cette nature-là. Donc pour moi, je pense que c'est tellement des choses essentielles qui manquent peut-être de façon cruelle dans la société humaine du 21e siècle. Et moi là-haut, à la fois, je le ressens fortement personnellement, et à la fois, en étant en refuge, la satisfaction, l'envie, la motivation de le partager, ça, de partager qui nous sommes, où nous sommes. Simplement, remettons les hommes là où nous sommes. Un, dans la chaîne du vivant, sur une planète qui est fragile. Si on avait tous conscience de ça aujourd'hui, peut-être qu'on n'en serait pas dans cette situation-là. Donc pour moi, ça a un sens profond, personnel, pour moi, plus profond de moi-même, et je vais dire de façon sociétale, planétaire, si je puis dire, l'expérience montagne, pour moi, je la trouve extrêmement, extrêmement importante. Pour moi, les alpinistes sont un peu porteurs de quelque chose qu'on pourrait appeler une sorte de cosmogonie.
une sorte de vision du monde qui déborde très très largement de la montagne elle-même et de la haute montagne en particulier, et qui invite à se poser la question de savoir qu'est-ce que je suis dans tout ça. Dans un milieu urbain devenu inaccueillant pour certains, le lien à la montagne réintroduit l'essence originelle de la ville. Ainsi, on va chercher le refuge comme une sorte d'îlot d'urbanité primitive dont l'isolement a permis de maintenir les qualités initiales. Si c'est en montagne que l'on retrouve la vraie nature de la ville, le refuge est alors une figure d'hybridation, un moyen de penser le lien et les réciprocités. Morceau d'urbanité qui permet à la montagne de devenir accessible et à l'homme de se confronter à l'inhumain de la nature. Il est la figure originelle, non pas d'un état de nature, mais bien des valeurs premières de la culture. La montagne est vivante et témoigne d'un dynamisme riche dans lequel certains trouvent refuge. Un environnement pour tester, innover et proposer des voies de passage. Certains opérateurs, en tout cas, les téléphones passent encore. Un tout petit peu plus loin, à quelques mètres plus loin, il n'y a plus du tout de connexion. Donc voilà, je vous invite à éteindre vos téléphones. De toute façon, ça ne sert à rien d'insister. On sera au cœur du parc, donc là, il n'y a plus de connexion possible. Donc pas d'internet, pas de téléphone. Donc voilà, en tout cas, là, on quitte le monde connecté et on va rentrer dans le monde déconnecté. L'idée du refuge Remix, c'était de conduire une expérimentation créative dans un refuge de montagne pour réinterroger le statut et les fonctions des refuges avec ses usagers. Et le Remix, c'est en quelque sorte la mise en défi de cet enjeu d'avenir des refuges en lien avec ce qui se passe dans l'environnement, le changement climatique, les questions de la biodiversité et ce qui se passe dans la société, les modes de vie de plus en plus urbains, donc d'une certaine manière ce que certains appellent l'extinction de l'expérience de la nature et le fait que les refuges s'offrent comme des lieux où les citadins vont découvrir ce que c'est qu'une forme de nature particulièrement rugueuse mais aussi particulièrement riche. L'urbain a amené ce regard d'émerveillement sur la montagne. Il a amené d'une certaine manière aussi ces usages récréatifs de la montagne. C'est beaucoup plus qu'une base de loisirs. C'est un lieu d'activité humaine, d'activité parfois de loisirs évidemment avec le ski, mais d'activité aussi économique avec les pâturages, l'élevage, de ce rapport fort à la nature. Et puis un lieu aussi, je crois, d'internalisation finalement de la question du réchauffement climatique. Même s'il est rural, même s'il est naturel et qu'il peut générer tout l'imaginaire autour de la montagne et de son côté nature, c'est un territoire habité depuis très longtemps, c'est un territoire pollué, même si on a l'impression que ça n'est pas le cas. Et c'est un territoire qui nécessite que les habitants prennent conscience de ces gestes au quotidien qui peuvent changer la donne. Finalement, on n'est pas si différent de ça de la ville. Et le Vercors, en fait, c'est quelque chose d'incroyable pour moi parce que j'y retrouve ce que j'ai vécu quand j'étais enfant. Nous avons créé ici, sur le territoire des Quatre Montagnes, une association qui s'appelle Verteco, qui a pour objectif de sensibiliser la population locale, mais aussi les touristes, si on peut, à la transition écologique et à tous les gestes, des gestes simples pour favoriser une vie plus écologique, moins polluante, plus respectueuse de la nature. Habiter la montagne, c'est de plus en plus cette double dimension de qualité environnementale et aussi de qualité sociale qui va permettre à un certain nombre de populations de sentir que c'est ici qu'elles vont pouvoir non seulement mieux vivre, mais peut-être alimenter, contribuer à des formes de transition. Donc il y a une dimension utopique très très forte
qui se retrouvent aujourd'hui dans cette nouvelle façon d'habiter la montagne. Ce que les citadins amènent aujourd'hui en montagne, quand ils s'y installent pour vivre notamment, ce sont aussi des questions comme celle de la transition, des dynamiques autour d'associations, autour de recyclerie, jardins partagés, tiers-lieux, qui ont été des expérimentations d'innovation sociale en milieu urbain et qui sont aujourd'hui transposées en montagne. Je fais partie d'une bande de personnes qui ont racheté un ancien centre de vacances qui appartenait à la ville de Grenoble, le centre Écharlière à Autran, et qui avons le projet, et on est en train de le faire, de réhabiliter ce lieu pour le transformer en un hôtel d'entreprise, un habitat groupé et plus globalement un tiers-lieu qui a vocation à créer toute une dynamique humaine et économique localement. D'être dans cet environnement-là, l'enjeu c'était vraiment de se dire si on peut créer une dynamique économique et professionnelle dans un lieu qui a priori ne présente, enfin en tout cas n'est pas habitué à ce type de démarche comme ça peut être en milieu urbain ou des pépinières d'entreprises ou des réseaux de gens, enfin il y en a de partout, ça fleurit vraiment, surtout que c'est vraiment dans l'air du temps, mais en milieu rural c'est plus un défi et en fait on se rend compte que ça marche très bien. Nouvelles pratiques, expérimentation sociale, engagement personnel, choix de vie. La relation à la montagne soulève des interrogations qui touchent à l'intime et en même temps à la nature même de l'humanité. Sentiment de l'infiniment petit dans une immensité naturelle, dépassement de soi dans une adversité minérale, reconnexion à la nature, même essentialisée. La relation à la montagne mène parfois à l'indicible, l'indescriptible, la transcendance. Observer la montagne et toucher l'esprit humain. Alors, entre les tentations des communautés monastiques au Moyen-Âge de s'installer en montagne et puis les tentations des touristes ou des alpinistes d'aller en haute montagne aujourd'hui, notamment en refuge, on peut trouver des continuités, on peut trouver des similitudes. La Bible, que ce soit l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament, n'arrête pas de nous dire que ce qu'on appelle montagne dans la Bible, ce qui n'a pas grand-chose à voir avec ce qu'on appelle montagne depuis l'invention de l'histoire naturelle, ce qu'on appelle montagne dans la Bible, c'est d'abord et avant tout une sorte de point haut à partir duquel on se détache d'un environnement social banal, ordinaire. Et c'est toujours une pratique qui va impliquer des individus, le Christ lui-même, ou bien Moïse, ou Abraham, donc des personnes qui ont une histoire à raconter, et une histoire qui les rapproche du divin, qui les met en connexion avec le divin, et qui leur donne cette qualité particulière d'être un petit peu hors de la société parce qu'ils sont un peu élus en allant sur la montagne et en se mettant en communication avec le divin. Pourquoi finalement être allé si haut ? Quand on regarde effectivement le monastère dans sa configuration puis dans son emplacement, c'est-à-dire au pied du Grand Son, on peut avoir une attitude un petit peu paradoxale, c'est-à-dire qu'on a presque envie de fuir. On est à la fois fasciné et à la fois on est un petit peu sidéré par ce que l'on voit. Mais vous savez, c'est là où se croise ce que j'aime nommer le naturel et le surnaturel. C'est-à-dire qu'à travers le naturel de cette falaise, de ce que l'on en voit, de cette nature, de cette création qu'est là, il y a quelque chose de très symbolique et de très intérieur qui est là pour qui sait ou qui entend. C'est comme un escalier vers le ciel. Quand on le regarde comme ça, naturellement, on dit « Ah oui, c'est une grande montagne, c'est beau le Grand Son. » Mais quand vous le regardez de façon surnaturelle, c'est presque vertigineux. C'est-à-dire que le ciel est immédiatement en connexion avec le monastère. Comme pour dire « Mais je reçois tout, et tout vient à moi. Tout monte. Toute votre prière de nuit, tous vos doutes, tous les doutes du monde, toutes les catastrophes du monde, toutes les souffrances du monde inhérentes à la nature humaine, elles montent sur cette échelle.
Oui, il y a bien un effet miroir entre la ville et la montagne. Au départ, elles font chacune l'objet d'une forme d'altérité radicale. La ville, c'est en bas, c'est très urbanisé. La montagne, c'est en haut. Il y a de la pente, c'est peu urbanisé. Donc tout semble les opposer, tout semble les éloigner. D'une certaine manière, oui, la montagne s'est mise à ressembler de plus en plus à la ville. L'urbanisation des stations, mais aussi l'importation de modes de vie urbains, le développement des loisirs d'origine urbaine. Et en même temps, la ville a aussi peu à peu incorporé des références et des images de la montagne, et à Grenoble c'est particulièrement fort. Alors ça peut être bien sûr des murs d'escalade dans les établissements scolaires ou dans les gymnases ou des salles d'escalade, ça peut être des vêtements qu'on porte au quotidien qui fait qu'on, quelque part, on ne quitte jamais ces vêtements de montagne. On a de plus en plus cherché à incorporer la culture de la montagne dans Grenoble. C'est un festival autour du cinéma de montagne, c'est un bureau des guides, c'est une maison de la montagne. Et donc il y a effectivement, je pense, tout à fait ce jeu de miroir qui dépasse un petit peu les limites qu'on avait cru pouvoir poser de façon relativement stable. Donc une montagne qui ressemble de plus en plus à la ville, une ville qui fait de plus en plus référence à la montagne. On pense la ville et la montagne comme des entités homogènes, dont les limites seraient faciles à définir. Or, la montagne présente une grande hétérogénéité dans ses valeurs. Elle a la particularité d'être le champ de représentations contradictoires, et cela dans un même temps. On en fait le lieu de conflits entre aménageurs et défenseurs de la nature, entre Prométhéens et Icariens, loups et moutons, dieux et diables, alors que sa particularité est dans la coexistence de ces figures opposées. La montagne est à la fois ce lieu des abîmes et des ténèbres, et celui de l'élévation vers le divin, à la fois un obstacle et un passage. Oui, si on pousse cet effet miroir entre la ville et la montagne, qui les conduit d'une certaine manière à se ressembler l'une et l'autre de plus en plus, on risque de perdre la capacité qu'a la montagne de nous émerveiller, de nous donner à voir un espace différent de celui de la ville.